Cette première vidéo est consacrée à la musculation du lanceur de javelot lors de la période de développement. La progression des différents cycles de travail s'articule en trois mésocycles de développement. Dans le premier mésocycle de développement, nous vous proposons des circuits de musculation généralisés ainsi que des circuits training du type extensif. Dans le second mésocycle de développement, nous aurons des exercices à effort répété ainsi que des circuits training du type intensif. Dans le dernier mésocycle de développement, nous vous proposons des exercices d'effort en escalier du type pyramide, des exercices à effort répété ainsi que la méthode 3-7. Voici quelques exemples de contenu de séance. Voici un exemple de circuit training de type extensif, idéal lors des phases de reprise de l'entraînement. Une douzaine d'exercices est proposée afin de solliciter l'ensemble des groupes musculaires. Les exercices s'effectuent par enchaînement sans temps de récupération. 12 à 15 répétitions sont demandées avec des charges correspondant à 40 ou 50% du max. Le circuit est à réaliser 2 à 3 fois avec une récupération de 10 minutes entre chaque circuit. Voici en image un autre exemple de circuit de musculation généralisé. Cet exemple de circuit training du type intensif propose une succession d'exercices sollicitant les groupes musculaires importants. L'athlète effectuera entre 8 et 12 répétitions avec une charge allant de 50 à 60% de son maximum. L'intention de recherche de rythme dans ce type de séance est primordiale, afin de se situer dans les intensités de moyenne à élevée. Les exercices s'enchaînent sans temps de récupération. Par contre, l'athlète effectuera au minimum 3 tours de circuit avec 4 à 5 minutes de récupération après chaque tour. Faisant principalement suite aux entraînements par circuit de musculation généralisé, la musculation par répétition d'effort est indispensable dans le cadre du développement de la force maximale. Deux éléments sont à retenir. Un travail en puissance quand les intensités sont de 70 à 80% et un travail en force quand les intensités vont de 80 à 90% et au-delà. Dans ce cadre, les effets d'hypertrophie musculaire se font très vite ressentir. Les séances de musculation à effort répété se présentent de la manière suivante. Une série A et une série B. Des exercices généraux afin de provoquer une pré-fatigue musculaire. Des exercices principaux à base essentielle de mouvements d'haltérophilie.
Dans cette série A, nous vous présentons en premier plan sur ce tableau les exercices généraux qui sont à réaliser en guise de pré-fatigue ou de complément d'échauffement. Le cœur de la séance est constitué des exercices principaux suivants: épaulé, tirage couché, pull-over, squat. À chaque semaine, S1, S2, S3 ou S4 correspond à un nombre de séries et de répétitions. Vous respecterez ainsi la pertinence de la progression de l'entraînement. Pour cette deuxième séance intitulée Série B, la finalité est la même que la séance précédente, avec cependant des exercices généraux différents à réaliser. Pour les exercices principaux, nous vous proposons les mouvements suivants: développé couché, arraché, pull-over, soulevé de terre. En résumé, les séances de musculation série A et série B se conjuguent avec des mouvements à chaque fois différents, afin d'obtenir des sollicitations musculaires plus efficaces. La méthode de travail en pyramide basse permet de réaliser des séries d'efforts longues à moyenne intensité. Le pourcentage de la charge de travail monte puis redescend sur la fin de séance. Son utilité est bien entendu l'amélioration de la force endurance. Cette méthode, dite en escalier, où l'athlète effectue de 3 à 7 répétitions avec une récupération de 15 secondes, permet un recrutement simultané de toutes les unités motrices, en sachant que la série de 7 répétitions est souvent poussée à l'échec. Et tu te mets en place, c'est parti pour 3 répétitions. Et après, on va enchaîner 4, 5, 6 et 7 répétitions. Et il y aura un temps de repos, de pause de 15 secondes. Allez, on y va pour 3 fois. 1, 2, 3. Tu poses ta barre. Repos 15 secondes, on va te donner le top. Allez, on y va, 4 répétitions, 1, 2, 3 et 4. Voilà, à nouveau 15 secondes de repos. Bien. Alors en général, les 3, 4 et 5 répétitions se passent très bien. Là, ça va commencer à être un peu plus difficile. 6 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on enchaîne. Et 6. Ok, c'est bien. Alors là, la dernière, on va voir si tu vas passer les 7 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, allez, 5, allez, allez, touche pas, Ludo. Il est à l'échec. Voilà, alors vas-y, un petit retour tout de suite là. Ça fait mal. Ça fait mal, d'accord.